Bonjour à tous. Alors oui, puisqu'il y a des curieux, le compteur, j'ai clairement rien codé du tout. C'est une fonctionnalité de base du logiciel que j'utilise pour streamer, puisque j'utilisais Cam Live, euh, ce fameux Cam que j'ai utilisé avec l'API l'autre jour quand j'ai fait des petits tests pour vous montrer un peu comment ça fonctionnait. Donc c'est ça, l'idée, c'est ça. Euh, Aujourd'hui, je ne suis pas complètement installé. Il faut que je finisse. Hop. On va essayer de faire des cascades en direct aujourd'hui. On verra si ça se passe bien. <laughs> J'espère. Euh, alors, pour commencer, avant que Kangudino me tire les oreilles. Hop. Je vous rappelle que si vous voulez discuter de bah, tout ce qui se passe dans l'émission, mais aussi en dehors tous nos petits montages, euh, les coups de main qu'on se donne pour, euh, bah pour coder, pour euh, toutes nos petites activités. Le lien et un coup de voix au micro. J'ai pas compris le coup de voix, B-Box. Je veux bien te faire un coup de voix au micro, mais je ne sais pas ce que tu appelles un coup de voix. Je, je suis partant. Tu sais, moi, avec mon nouveau micro, je vis une véritable passion. Donc ouais. Le lien du Discord. La voix sexy. Tu veux dire euh, cette voix-là <laughs> Oui, alors après, euh, ouais. Comme, comme le dit euh, Reckney, euh, il se passe des choses sur le Discord. Si, euh, si le sous-titre du Discord c'est Discord de la Tentation, c'est pas pour rien. Euh, N'hésitez pas à venir euh, vous, vous lancer à tenter les autres avec des trucs que vous avez déjà achetés vous et qui euh, seront achetés par les autres ensuite. C'est la catastrophe pour le budget de tout le monde, évidemment. Euh, C'est l'enfer. C'est l'enfer ce Discord. C'est pas vrai du box, je suis sûr que tu ça en fait. Ouais, euh, Seb, tu dis qu'il manque un peu de volume sur la voix. C'est possible, j'essaie de ne pas trop... Euh pas trop en envoyer non plus, je connais les limites de ma charmante et douce voix. C'est vrai que c'est vachement plus sensible avec celui-là, donc euh, je fais gaffe, je soigne vos oreilles. Euh, Aujourd'hui, on va tenter, euh, comme je vous le disais, on va tenter d'être de, euh, de vrais cascadeurs euh, du live. Alors, euh, pas autant que Seb, hein, euh, comme vous pouvez le constater, mon micro est sur un vrai pied de micro. Je ne suis pas dans le jardin avec le micro posé dans une palme. J'avoue, je n'ai pas encore euh, ce style et cette élégance. <laughs> ouais, ça devient un sport international, c'est le cas de le dire. Ça fait acheter depuis tous les <laughs> endroits du continent. J'ai pas fait acheter des palmes encore. Il faudra que je leur parle de tout ça parce qu'il y en a certains qui n'ont pas dû voir comment tu gères ton, ton live au milieu du jardin. Et là, tu vois, c'est pas le jour aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est assez tentant d'aller me planter au milieu du jardin pour, pour tenter des lives comme tu le fais. Je trouve que c'est. C'est pas mal. On verra si j'ai besoin de mettre mon téléphone sur une échelle pour capter la 4G mieux. Je serai peut-être vacciné 5G d'ici là, ça marchera. Euh, alors aujourd'hui, quand je vous parle de cascade, c'est en fait, euh, je voulais faire des petits essais hier pour tout vous dire. Euh, J'avais des petits bouts de code que je voulais tester et savoir de quoi j'allais vous parler aujourd'hui. Et il se trouve que ma chair étendre n'était pas bien. Elle était euh, coincée un peu dans le canapé, donc j'ai je jeté un oeil pour savoir si elle avait besoin de quelque chose. Et euh, ben, dans ces cas-là, j'ai l'iPad sur moi. Et euh, ben, ce n'était pas encore les, les Confi News et ce n'était pas encore les émissions calmes, donc j'en ai pas parlé, mais euh, euh, mon iPad m'a déjà pas mal servi pour, euh, ben, pour tous mes petits bricolages de code. J'ai plusieurs outils que j'utilise. Euh, je ne vais pas. Euh, on pourra les. Les décomposer les uns après les autres et en parler dans d'autres émissions. Je vais euh, surtout vous parler du celui euh, de celui que j'ai récupéré hier en fait. J'avais mis de côté en fait euh, tout un tas de trucs que je voulais essayer et tester à l'époque et j'étais pas allé jusqu'au bout de chacun. Et là, euh, ben, j'ai découvert un, un logiciel qui s'appelle Python Pythonista, voilà pour être précis. Euh... Tac, je vais bien entendu. Alors j'ai les mains sur le clavier branché sur l'iPad en même temps. Là je suis un peu tout à l'envers. Voilà. Je vais vous mettre le lien de ce que je vais vous montrer. Euh, je peux hop, rapidement vous montrer la page du produit. Euh, C'est à la fois un éditeur Python et un interpréteur Python sur l'iPad. Euh, c'est un peu ce qui est dommage, je trouve, avec, euh, avec iPadOS, euh, qui fractionne leurs OS chez Apple. Et je pense qu'il n'y a pas que des raisons marketing, même s'il y en a plein. Il euh, y a aussi des raisons techniques. Je trouve que c'est peut-être pas plus mal d'avoir euh, iOS sur les téléphones, iPadOS avec les spécificités iPad, et, euh, et MacOS sur les Macs. Euh, maintenant, j'aimerais tellement qu'ils lâchent un peu la bride euh, aux fonctionnalités sur l'iPad. Le problème, c'est que j'imagine que ça voudrait... Euh, ça voudrait dire accepter qu'il ben, va y avoir euh, des, des manipulations qu'ils ne souhaitent pas avoir euh, sur leur machine. Mais euh, voilà, petit appel téléphonique en même temps, ça attendra. Hop. Le truc c'est que qu'il ben, y, y a quelques outils, mais même avec le M1, c'est encore plus dommage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon iPad, j'ai pris un iPad en 2020, euh, la puce A12, je crois qu'il y a dedans. Et déjà tellement balèze, je, je, je n'ai jamais ramé dans aucune application avec l'iPad. Euh, même les bouts de code que j'ai fait et tout, ça, ça marche, mais d'enfer. Et avec un M1, alors j'attends. Là, ils viennent d'annoncer euh, effectivement les iPad Pro avec, euh, avec les chips M1. Euh, il faut attendre encore 5 ou 6 semaines pour avoir la, la conférence côté développeur euh, Apple. J'espère qu'ils vont annoncer des news euh, qui vont atterrir dans OS. Il euh, y a des signes il y a des outils pour faire un peu de JavaScript, mais euh, on ne descend pas jusqu'au système et on ne peut pas vraiment faire tourner. Je veux dire, ça pourrait, euh, même sans aller jusqu'au M1, il y a largement de quoi faire tourner beaucoup de choses. Ben, L'autonomie des briques, euh, moi je suis pas inquiet parce que, euh, parce que mon, mon A12 qui est, qui, est, qui est déjà ultra costaud, j'ai zéro problème d'autonomie, c'est des vrais chameaux. Et il euh, n'y a pas de raison que le, le M1 euh, soit bien différent. Euh, je vois sur le, le MacBook de ma fille, donc euh, clavier, écran, un laptop. Hein, euh, elle a des autonomies de dingo, elle n'a jamais vu ça. Donc, euh... Ouais, l'iPad, c'est euh, la machine qui se balade partout dans la maison avec moi. Euh, je limite, d'ailleurs je pose le téléphone. Enfin, il reste encore des trucs que j'ai pas sur l'iPad. Si j'avais un iPhone, j'aurais des liens, genre pour les SMS et autres. Mais euh, ouais ouais non non c'est la machine que j'utilise le plus quand je suis pas devant, quand je suis pas devant le laptop. Euh, bah je, ouais c'était pas prévu mais tu as raison du box, je montrais euh, au passage euh, un des outils qui m'a fait aussi plonger sur la... Ah, il y a les frames... Tu perds des frames, tu dis. Euh... Ouais, c'est possible. Non, ça n'a pas l'air, ça chauffe pas ici. Sans plus attendre, hein, du coup, euh, s'il y a des frames qui disparaissent, on va voir ce que ça donne. On va voir si ça fonctionne. Ouais! Euh, je vous partage euh, l'écran de l'iPad euh, sans aucune inquiétude, bien sûr, parce que je ne l'ai pas du tout testé pendant euh, les 5 dernières minutes là, avant de lancer euh, le, le stream. Euh, fonctionnalité d'ailleurs intéressante, tant qu'à faire dans l'écosystème. Euh, on branche un iPad sur euh, le MacBook, on fait une manipulation d'authentification pour. Euh, pour obtenir la, la sécurité entre les deux et, et roule, et roule, et roule. Euh, ce que je n'ai pas prévu, mais peut-être que je peux le rajouter. Alors, puisqu'on en est à faire des cascades, ouais, ça marchait du premier coup. Il est joli ce petit soft. OBS, c'est bien. Je pense que j'y reviendrai quand j'aurai fini cette année où j'avais acheté Cam Live en promotion. Parce qu'il est quand même relativement cher. Mais il y a quand même. Voilà. Ça marche quand même super bien. Euh, ouais, c'est sûrement un didos russe. <laughs> Il t'orpérer, repéré. Euh, Cache-toi. Euh, donc Pythonista, je vous montrerai après euh, vite fait. Euh, Shaper, euh, c'est une application euh, vraiment euh, toute simple. Hein. Euh, je vais euh, d'ailleurs vous montrer tout de suite. J'avais hésité à, entre vous montrer ce que je voulais et puis derrière vous faire un effet waouh avec les applications en, en exemple. Mais je pense qu'on va commencer par l'effet waouh, il n'y a pas de raison. Donc c'est fourni. Euh, je ne suis pas encore très sûr de la, de la vivacité de la communauté, mais bon, le produit a l'air d'être encore mis à jour. Euh, je vous montrerai ensuite, il y a un autre concurrent qui s'appelle Pito, PYTO. -Y je vous mettrai le lien aussi. Euh, mais euh, je vous ai mis le lien sur Pythonista, je ne me rappelle plus. Qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure oui, je l'ai mis. Je vous mettrai le lien sur Pito aussi. Euh, si j'ai choisi Pythonista, c'est parce que c'est celui que j'avais repéré en premier. Et, euh, et Pito, c'est un peu comme Mito parce que quand je l'avais repéré l'été dernier, il était gratuit et il ne l'est plus. Donc on a le droit de vivre de son logiciel, pas de souci. Mais euh, quand je l'avais repéré, c'est parce qu'il se servait ça comme un argument massue en disant que euh, il ne serait pas payant, c'était pas le but et je sais pas quoi. Et finalement, euh, c'est devenu payant. Donc je veux savoir ce qu'il y a derrière. Si c'est les mêmes personnes, c'est peut-être juste que c'est un moyen de vivre et je trouve ça très respectable. Si ça a été racheté entre temps, c'est un peu différent. Mais en tout cas, j'ai commencé par Pythonista. Et euh, hop, on va vous montrer les petits exemples. Je ne sais pas, par exemple, cette horloge-là. Donc on choisit, on navigue dans, dans les fichiers de l'iPad. On a euh, un navigateur de code. Donc là, je ne peux pas vous montrer mes mains en même temps. Il n'y a pas un mode démo comme sur Shaper 3D, c'est dommage. Euh, qui vous montre où je suis en train d'appuyer, mais là je suis en tactile sur l'écran. Il euh, y a de la coloration syntaxique, il y a de la complétion. Et euh, donc en haut à droite, je vais appuyer sur l'espèce de petite flèche que vous apercevez qui va permettre de lancer l'application. Et voilà. Et moi personnellement, à partir de cet instant-là, ça me suffit. Parce que ça veut dire que Pythonista, en étant autonome sur l'iPad, il y a des librairies graphiques qui sont suffisantes. Et moi, à partir de là, je suis vaincu. Question sérieuse programmer sur un iPad sans clavier, ça donne quoi J'en sais rien, puisque depuis le début, euh, je vous le montrerai tout à l'heure à la caméra. J'utilise euh, une une cover pour protéger l'iPad qui, en même temps, euh, est un clavier que j'ai pris chez Logitech. Dommage qu'il ait pas Philippe. On vous fera un comparatif. Lui, il a pris, alors d'abord, il a pris un iPad plus grand, mais il a pris le clavier officiel Apple et il me dit que c'est vraiment génial à utiliser. Donc, on verra la différence. Voilà, tout ça pour dire que, euh, ben oui, coder sur un iPad, c est, c est, il faut évidemment, je pense, un clavier. Mais euh, là, le 11 pouces, c'est déjà très utilisable de voir son code et de taper avec le, le clavier sur l'écran, que j'aime bien, le, le, le clavier intégré, il marche bien. Euh, mais euh, voilà, je vais vous montrer d'autres trucs. On va aller... Euh, je ne sais pas s'il y a des jeux terminés là. Si celui-là, je l'ai essayé. Alors, le problème, c'est qu'il va. Attendez, je ne sais pas si ça va tout péter. Voilà, je le bascule en mode hop, portrait parce que. Voilà, celui-là, il se joue en mode. Voilà. Donc là, c'est quand même du Python. Hop, je vais remettre en mode normal. Du Python sur un iPad. Personnellement, ça me va bien. Je vous filerai la, la, la référence du clavier après. Il euh, y a des choses un peu plus. Euh, comment dire voilà, un peu plus classique, qui permet d'avoir un système de, de dialogue. Donc là je peux déplacer et ça fait voilà, on a une application calculette. Et euh, alors ça, je ne sais pas si je peux le démontrer. On a un mode, ils ont des, des extensions euh, incluses euh, qui permettent d'interagir de, bah de, de, avec euh, iPad OS. Donc là, par exemple, on peut aller récupérer les infos d'IP. Euh, je crois quelque part... Non, ce pas dans les widgets, c'est dans Extension. Donc, oui, voilà, Extension. Hop, pas du tout. C'est dans... Je vais le retrouver. Voilà, on a aussi un interfaçage avec Objective C, ce que je trouve exceptionnel. Le code, il est persisté sur l'iPad, mais c'est pas un problème. Euh, là, je vais être un peu court pour vous montrer tout ça, et en plus, j'arrête pas de recevoir un coup de fil, il va falloir que j'aille répondre tout à l'heure. Euh, L'iPad, moi j'ai une application qui gère aussi soit la synchro sur le cloud, soit des interactions avec des repos euh, Git. Donc euh, j'ai toutes les fonctionnalités euh, Git. Donc tu peux aussi avoir des projets euh, que, tu, euh, que tu manipules avec Git. Donc euh, par défaut, euh, ça utilise le stockage. Euh, je peux vous le montrer là. On a les deux premiers choix, là c'est euh, sur l'iPad ou sur iCloud. Et après euh, c'est une petite manip dans le, le soft qui gère Git. Euh, je crois qu'il y a un lien avec, ça, ça doit passer par iCloud, mais ça permet de, de synchroniser aussi avec un, un repos Git. Donc on a, on a tous les outils. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre euh, J'avais au départ, c'était pour vous faire une émission, pour aller plus loin avec les histoires des API l'autre fois vous montrer qu'il y avait d'autres choses que les API en local sur une machine, il y a plein d'API à l'extérieur. Et puis en recherchant et tout ça, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi un truc qui moi, bien, est moi j'aime bien, c'est les différents podcasts que j'écoute. Et il faut savoir que euh, alors ça s'appelait pas une API à l'époque, mais euh, on permet de publier un flux euh, qui permet d'avoir un flux RSS. Et euh, ben tout simplement, on peut le manipuler avec des API euh, euh, Python. Euh, mais je voulais vous le montrer un peu différemment. Je vous montrerai le résultat au final. Euh, tac. Si je swipe euh, sur la gauche, je me retrouve avec une vraie console. Et en bas, ici, je peux vraiment taper du texte. Alors, taper du texte, je fais le malin. J'avais enlevé mes lunettes, j'en ai besoin, bien sûr. Donc, euh, d'inclus, il voilà, y, y a la complétion. Il hein. euh, y a des modules déjà intégrés. Je n'ai pas encore essayé d'en en rapatrier. On peut faire l'équivalent des pip install, mais uniquement pour des modules pur Python. C'est-à-dire qu'on ne peut pas évidemment installer des modules qui nécessitent des, des parties compilées euh, issues du code en C. Euh, il en ajoute, euh, il y en a dans l'application, il y a des, notamment des. Je crois qu'il y a NumPy, enfin, il y a de quoi faire un peu de data science. Mais déjà, comme ça, on peut déjà faire pas mal de choses. Donc là, je voulais vous montrer la, le module qui inclut fit feed euh, FeedParseur, on lui donne un, en l'occurrence un flux RSS, c'est l'URL d'un podcast que j'adore, Coucou Toréfaction le podcast de, de zone avec euh, CAF euh, et Fasquille euh, et ils publient euh, 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 des informations sur chacun de leurs épisodes donc là euh, si euh, alors là, ça, va, ça va vous en foutre plein l'écran voilà euh, de manière brute hein, c'est un rappel donc euh, ils vous balancent euh, tout, tout l'objet euh, qui est à l'intérieur euh, ce qui est intéressant c'est de vous montrer ben, comment euh, moi je procède quand j'explore une API par exemple, donc là je regarde les clés qui sont disponibles, on voit qu'il y a un truc qui s'appelle feed, un truc qui s'appelle entries. Euh, je vais tout de suite... Euh... Alors il y a ce qui est intéressant aussi, euh, suivant les claviers, la facilité qu'il y a, le fait d'être avec iPadOS, il y a des caractères spéciaux qui peuvent être compliqués, voir si vous êtes avec le clavier, alors je pense que je peux vous le faire apparaître en même temps. Alors on peut être dans ce mode là aussi, hein, avec le clavier sur l'écran, donc il vaut mieux être en mode portrait dans ces cas-là. Euh, là en l'occurrence il y a tout ce qu'il faut dans iPadOS mais sur l'iPhone c'est peut-être pas toujours le cas euh, il a prévu dans l'application l'accès euh, directement en bas de l'écran aux, aux accolades aux crochets, les choses comme ça euh, ce qui vous facilite la vie au passage donc si je fais aussi, je continue comme ça mon exploration de ce qu'il y a hop si je fais qui ou le keys ça va marcher c'est moi qui dis une connerie Donc là, il va juste me les balancer. Ouais, c'est peut-être tout simplement, c'est un tableau. Euh, si vous voulez savoir ce qu'il y a, euh, je ne sais jamais si c'est dire la différence entre dire et help. Je ne sais jamais. À pas se mentir, hein, j'apprends tous les jours. Mais en gros, ça vous donne quand même une idée de l'objet que vous êtes en train de manipuler. Donc, je ne sais plus la différence entre dire et help. On va essayer en direct. Hein. On va vous montrer ça. Ah oui, help vous donne carrément l'aide sur chacune des méthodes. OK. Dire vous liste les, les, les variables et les méthodes disponibles sur l'objet. Et euh, help vous donne plus d'indications, notamment que vous êtes en train de manipuler une liste. Donc euh, des entries, c'est une liste. Très bien. Ici, si je fais des entries et que je prends par exemple le premier élément. Donc là, il y a un peu moins de choses, même si c'est encore riche. Donc là, je vais avoir des clés puisque c'est un. Je peux vous le faire comme ça. Hop. Non, on va faire comme ça. Là, je vous montre en fait ce que j'ai fait hier soir, euh, comment explorer. Euh... Voilà. Donc là, on voit que c'est bien aussi. Euh, c'est un objet, hein, donc il a des clés. Pas de souci. Voilà. Et puis après, bah, vous continuez votre exploration. Vous regardez ce qu'il y a dans Title, ce qu'il y a dans AI et tout ça. Et bah, vous pouvez l'utiliser comme je l'ai fait là. C'est-à-dire que euh, je me suis dit, bah, voilà, je récupère le, les infos du, du flux RSS de ce podcast parce que j'ai envie d'écrire ma propre application qui va me permettre d'écouter les podcasts. Euh, Puisqu'il faut savoir que dans ces entrées-là, il euh, y a euh, aussi les liens vers la partie euh, fichier son. Donc pour répondre à B-Box, euh, avant ou après ou euh, Valheim, euh, avec ou après. Non, j'ai traduit avant ou après, tu vois. J'ai pas joué à Valheim en fait, je suis, un peu, je suis un peu charrette en ce moment, donc tu vois, c'est bizarre, mais j'ai fait du code pour me détendre. Je sais, c'est spécial. Donc là, si je vous exécute ça, euh, vous allez voir que ça va euh, récupérer le, le feed, comme on a vu là, puisqu'on a manipulé les objets, et simplement, après ce que j'ai fait, j'ai fait une boucle pour parcourir toutes les entrées euh, de ce podcast, pour afficher euh, l'ID, enfin pour être prestigieux, ce qu'ils appellent eux le post-ID, qui, euh, qui est vraiment l'incrément numérique qui est utilisé dans leurs URL. C'était juste pour avoir une info. Euh, qui parlait visuellement euh, donc là ce qu'on constate puisqu'il affiche les premiers là, là haut hop, ça a commencé ici puisque j'avais pas effacé la console euh, le, le premier c'est en fait le dernier publié c'est voilà, dans, dans l'ordre c'est dans un ordre inversé donc on pourrait manipuler la liste et l'indexer euh, et la trier pardon sur le, le post id donc voilà vous avez euh, le titre de chacune des émissions enfin voilà vous pouvez continuer de manipuler ça Donc c'était pour vous montrer un petit exemple euh, un peu plus concret. Euh, et pour aller un cran plus loin, parce que j'étais curieux euh, d'utiliser leur euh, 4 secondes de hiatus, bah écoute, euh, moi j'ai rien. Je suis bombardé d'appels. Je pense que je vais écourter l'émission, savoir ce qui se passe. Euh, je vous montre cet exemple qui fait appel à leur librairie de dialogue. Alors il y a deux librairies, une librairie de dialogue et une librairie de UI. Euh, UI est un peu plus brute, mais permet d'aller plus loin et. Euh, plus Dans le détail de ce que vous affichez. Mais là, déjà, si vous regardez Dialogue, j'ai fait appel à une. J'aurais pu faire une drop-down, mais je voulais les, prendre les objets simples qu'ils avaient. J'ai la liste qui est euh, sous, sous forme d'un objet qu'on peut, euh, qu peut scroller. Si j'en choisis un, je le récupère derrière et je vais afficher une deuxième euh, box qui me permet d'afficher euh, voilà, euh, des sections avec des informations et des choses comme ça. Donc ça coûte 11 euros. C'était ça que disait B-Box euh, sur. Euh, sur le Discord, euh, voilà ce que je voulais vous montrer. Après, il y a plein d'autres choses qui se passent avec euh, avec ça. Toc. Je peux aussi vous montrer vite fait. Je vous l'avais montré une fois. Voilà un outil que j'adore qui s'appelle Shaper. Donc Shaper. Euh, je sais plus où est le réglage qui permet euh, d'avoir. Alors, c'est peut-être par là. Bbox, box ah non, dans les settings, voilà. Il y a un mode de démo que je ne sais jamais retrouver qui permet de faire apparaître. Merde, je ne sais plus où c'est. Bon, tant pis. Hein. Tant pis, c'était juste pour vous montrer. Donc là, euh, il faut savoir que c'est dommage parce qu'on voit la distinction sur l'écran, il faut que je le retrouve le mode démo. Là, avec mes doigts, bah, je manipule en tactile. C'est dans les prefs système, mais. Euh, je les ai affichés. J'ai pas trouvé, j'ai pas retrouvé. Tu te rappelles où c'est Là, je vois pas de data settings, c'est autre chose. Non, je vois plus où est le réglage. Ils l'ont peut-être enlevé. C'est dommage, il y avait un mode démo. Bref, peu importe. C'était pour vous montrer que là vous auriez vu les empreintes de mes doigts en train de zoomer, en train de me déplacer, c'est très pratique. Je prends le, le pencil de Apple et là, démo quelque chose à cocher, mais je ne l'ai pas, je ne l'ai pas monsieur, C'est pas grave. Voilà, si je me mets sur un plan, là je peux commencer à, à designer avec le... Je voilà. peux faire des choses, je peux sélectionner, je peux redéplacer l'axe. Donc j'interagis à la fois avec le stylet et avec les doigts et je trouve que c'est une, une super appli. Donc voilà, ce n'était pas spécialement ce que je voulais vous montrer aujourd'hui mais euh, ça en fera partie. Donc voilà, je pense que j'ai oublié aucun lien. Donc ce que disait euh, B-Box à juste titre avec... Euh, hop, je vous mets là. ça se pète pas la gueule. Euh, oui, ça coûte 11 euros. Euh, Pito... Maintenant que c'est payant, j'ai pas compris. Il y a deux modes, un mode à 3 et un mode à 10 euros, 10 dollars. Donc je sais pas ce qu'il y a dedans. Euh, mais en tout cas, euh, voilà. Ce sont certes des applis payantes, mais euh, bon, voilà. C'est ce que j'en ai vu euh, pour l'instant. Euh, ce que je disais hier, je suis encore dans les 24 heures de la lune de miel de la découverte d'un outil, mais, euh, mais ça veut pas dire que l'outil n'est pas bon. Bien au contraire. Euh, donc voilà, je sais pas si vous avez des questions. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus. Je me suis permis de faire un petit SMS vite fait euh, grâce à l'appli web qui est reliée au téléphone. Puisque je n'arrêtais pas de recevoir des coups de fil, savoir s'il y avait une urgence. Donc oui, euh, je voulais voir comment le truc fait des projections. Alors, si le truc c'est Shaper 3D, vu que je l'utilise pas très souvent, on peut y retourner. Hop. alors Hop. Euh, en fait tu euh, je sais pas ce que tu as enfin si je vois ce que tu appelles une projection mais c'est pas tu fais les projections c'est que tu bosses sur un plan et après tu extrudes donc euh, je sais pas si tu peux euh donc là si je me mets en top view par exemple on voit bien les projections de, de l'objet en 3D je ne sais pas si ça répond à ta question c'est à dire que dans l'interface l'espèce de petit dé là qui est sur le côté ici là donc je peux choisir une projection droite voilà. projection front donc on a les projections des différents éléments. Et après, on peut exporter en format. Euh, il y a plusieurs formats. Euh, mais généralement, on exporte. Enfin, moi, j'exporte généralement. Le peu que j'ai fait, c'était euh, euh, en JPEG pour montrer des illustrations. Et euh, j'ai fait un test en STL pour, euh, pour l'imprimer derrière. Mais euh, si tu as des, des questions particulières, je pense que n'hésite pas sur le Discord. Euh, C'est B-Box. Ça a été la... la la première frappe euh, calme, c'est B-Box qui, euh, qui m'a fait acheter un logiciel en commençant par ça. Et donc, euh, si Bbox t'en a parlé pour créer un boîtier pour PCB, euh, donc euh, j'imagine que c'est pour de l'impression. Donc si c'est pour de l'impression, la réponse est oui. On peut effectivement... Euh, je vous montrer vite fait tous les... Et je ne sais plus... C'est pas ça que je voulais. Si c'est ça. Voilà. Tac. Donc après on peut exporter euh, le, le projet, soit euh, dans un format euh, 3D, donc il y a différents euh, formats pour d'autres logiciels euh, de, de 3D, soit un format euh, STL. Euh, il y a aussi la possibilité d'interagir avec les, les modèles euh, de réalité augmentée. Donc là je pense que vous voulez, si le micro est assez sensible, entendre la pluie sur mon Velux juste au-dessus. Merveilleux. Euh, vous pouvez exporter en sketch 2D, donc euh, là tu faut euh, ouais, effectivement être en mode de. de voilà, c'est ça. On peut exporter les vues 2D en fait euh, pour, euh, pour faire du DXF. Et ben écoute, BBox, c'est dommage si j'avais su, on aurait euh, on aurait prévu ça. Tu nous aurais fait un partage. Euh... Par contre, je sais pas comment tu partages. Euh, à moins de filmer l'iPad. Si, je sais ce que je peux vous montrer également. Si vous n'êtes pas sourd à cause de la pluie, je suis désolé, mais ça doit s'entendre. Ah, avec la carte d'acquisition, tu chopes tu le flux, oui, c'est pas con ça. Eh ben oui, on aurait pu s'organiser ça. Sinon, n'hésite euh, pas à utiliser le, le canal euh, sur Discord. Si tu pas à partager tout ce que tu veux avec l'application euh, Discord, euh, tu peux passer par l'appli web qui est beaucoup plus... Euh, oh c'est un enfer, je m'entends plus. Qui est beaucoup plus tolérante euh, sur les entrées-sorties en fait. Alors l'autre truc que je voulais du coup vous montrer, c'est que euh, depuis peu, euh, quand vous achetez chez 3D, moi quand je l'avais acheté, il n'y avait que la version iPad. Ils ont fait une version... Euh... Voilà. Ils ont fait une, une version euh, Mac. Alors le gros souci pour l'instant, et moi c'est ce qui fait que je ne l'utilise pas pour l'instant, elle marche très très bien. Il n'y a pas de pas de souci, hein, on, peut, on peut faire de la modélisation avec, il n'y a, a pas de problème. Euh, il y a juste qu'ils n'ont pas fait la synchronisation entre l'iPad et macOS. Et ça je trouve ça particulièrement dommage et bête. Après, voilà, c'est leur choix. Euh, vous voyez, j'utilise tellement plus que je ne me rappelle plus les raccourcis. Voilà, rotation, c'est avec celui-là. Voilà. Et après, quand je veux agir, je passe en croquis. Hop. Donc voilà, il y a les mêmes fonctionnalités. Ouais, mais il faut passer par iDrive, mais euh, c'est quand même dommage que ça soit à toi de le faire. C'est juste qu'ils ont oublié d'implémenter la fonctionnalité qui te permet de sauvegarder... Euh, c'est dommage de, de contourner comme ça, euh, en sachant qu'il il pourrait y avoir une, une synergie comme on a aujourd'hui entre pas mal d'applications en fait Apple euh, où euh, bah, je l'ai encore fait ce matin. Tu fais une présentation dans Keynote sur ton euh, sur ton MacBook et au moment de faire la présentation, tu euh, lances un module depuis le Keynote de l'iPad qui s'appelle télécommande et euh, tu peux dessiner en temps réel sur ta présentation, effacer les croquis, pour, enfin, faire une vraie présentation. Euh, et la même chose serait quand même euh, super utile, c'est-à-dire que il y a plein de trucs où euh, quand tu tapes des descriptions ou euh, tu as, as besoin d'un clavier, c'est pas mal. Mais euh, d'avoir l'interaction avec l'iPad, ça aurait été encore mieux. Et je l'avais mis, euh, j'ai participé à la bêta bien sûr parce que j'étais curieux. Euh, ils avaient mis un moment à piger ce que je voulais et en fait euh, ils esquivaient, ils esquivaient jusqu'à avouer que bah en fait euh, il fallait qu'ils sortent la version macOS d'abord et qu'ils rajouteraient euh, les interactions avec l'iPad ensuite, que là ils n'étaient pas prêts. Ça se calme pas niveau pluie. Je sais pas ce que ça donne en audio, mais ici, c'est terrible. Euh, voilà. Je voulais vous. Du coup, j'avais pas prévu ça, mais comme BBox en a parlé, je voulais vous montrer la version Mac. Donc oui, on peut passer par la synchro par iCloud ou par autre chose, mais euh, c'est dommage quand le logiciel c'est le même, c'est la même licence, c'est le même propriétaire du logiciel, qu'on n'est pas un système euh, mieux foutu de ce côté-là. Mais effectivement, on en avait parlé une fois. BBox, euh, on peut peut-être se refaire le coup d'une d'une émission en tandem en duo et euh, faire une démo, euh, ça pourrait être une bonne idée. Regarde si t'as pas de problème à diffuser avec ton boîtier et puis on peut essayer de se faire ça à l'occasion. Voilà, euh, l'idée c'était surtout de vous montrer euh, ce qui se passe avec Pythonista sur un iPad. Je pense que j'y reviendrai parce que du coup, euh, les projets qui étaient... Euh, C'est toujours pareil, hein. on a tous la to-do list infinie. Euh, je m'en sers quand même régulièrement de l'iPad pour me connecter à certaines machines, pour faire des bouts de code, des vérifications. Enfin, il y, y a des shells, il y a plein de trucs. Euh, je mettrai un petit peu au propre mes idées là-dessus et puis on se fera une émission où je vous montrerai un petit peu tout ce que j'utilise sur l'iPad, euh, quasiment quotidiennement en fait. Et puis euh, dès qu'il y a un peu des vacances que je pars, euh, je n'ai pas le droit d'emmener mon laptop, mais comme j'ai le droit d'emmener l'iPad, voilà, c'est vilain, mais c'est comme ça, on ne va pas se changer. Euh, je crois que c'est tout. Dans les news, pour les gens sur le Discord, que je ne vous ai pas dit, euh, j'ai reçu mes petits claviers, euh, les différents formats. Je vous ai mis celui avec le connecteur euh, JST, mais j'ai reçu celui qui se plug directement sur le M5 Stick. Donc je pense qu'il se passera encore des choses. On a un peu la folie des claviers sur le Discord. Euh, je vais Hop, en profiter pour vous rappeler de ne pas hésiter, de ne pas faire les timides. Si ce qu'on raconte ici, il y a des sujets qui vous intéressent, on en parle tous les jours. On s'est fait euh, un certain nombre de petits salons pour discuter de code, d'électronique, des projets en cours, quand on a besoin d'un coup de main, des horribles tentations qu'on peut se faire les uns les autres. Bref, on passe un bon moment sur, le, sur ce Discord. N'hésitez pas à le rejoindre. Euh, quand vous arrivez, vous allez arriver sur un salon qui s'appelle Antichambre. C'est juste le temps de vérifier, euh, bah, de savoir qui vous êtes, d'où vous débarquez. Et euh, je vous inclus dans la foulée, euh, sans souci, pour euh, nous rejoindre. Et oui, Stéphie, peut-être un jour l'iPad. Mais moi, euh, ma, c'est quand ma tablette est morte, et puis il euh, y avait la pandémie, et puis, et puis, et puis, et puis, puis c'est tout, et j'en avais envie. Et euh, j'ai pas regretté, parce que c'est vraiment... Euh, on dira ce qu'on veut, il y, a, il y a quelque chose euh, largement au-dessus, en tout cas actuellement, hein, ça n'a pas toujours été vrai, mais euh, l'iPad est clairement, clairement au-dessus de toutes les tablettes Android que j'ai eues. On pourra même revenir sur le sujet de l'audio. Pas d'iPad, pas d'iPhone. C'est pas grave quand on t'aime quand même, tu sais. Ça doit te faire rigoler, ceci dit, la pluie que j'ai ici, c'est pas... J'ai pas les mêmes moussons que tu dois te taper. On n'a pas les mêmes repères de pluie. Mais quand même, là, elle est costaud celle-ci, quand même. Et bien j'espère que j'ai répondu à vos questions s'il si y en avait. <laughs> Pas de communicateur non plus, pas de Cosmo, pas euh, de... Hein, on peut citer un tas de trucs. Pas de, pas de produit Apple depuis 2007. Bah écoute, moi j'en ai eu. Hein, euh, mon premier euh, smartphone, non c'était plutôt un Nokia, mais c'était pas un vrai, vrai smartphone. Il avait de la connectivité, mais c'était pas génial. Je suis passé par euh, l'iPhone et après ça a été Android pendant longtemps. Mais j'exclus pas... Euh, Enfin je veux dire faut pas se leurrer, on n'est pas mieux chez Google que chez Apple, je trouve même qu'on est mieux chez Apple et, euh, et certainement que c'est euh, à but lucratif, j'en ai aucun doute, et qu'ils se servent de nos données quand même, mais un peu moins que les autres. Et j'aime bien cette remarque Conduino. je préfère quand tu dis pas encore de Cosmo, ça devrait pas tarder. <laughs> ouais ouais je trouve qu'ils ont des bons produits. Et franchement, vous voyez là, le coup de la présentation, pff, on branche l'iPad dans le MacBook, il est reconnu comme une caméra et en avant, je trouve ça... Euh, terrible, il y a les télécommandes des différents produits, enfin je veux dire voilà. Euh, la suite, parce qu'il y aura une suite, c'est euh, effectivement je vous referai une émission donc, euh, avec tous les outils de, de code et de productivité technique que j'utilise et j'essaierai de vous refaire une euh, démo plus poussée une fois que j'aurai creusé l'aspect UI euh, en mixant ce que je vous ai montré l'autre fois avec euh, l'API euh, qui me permet d'accéder à ECAM ça me permettra de tester si elle fonctionne bien d'une machine à l'autre. Je me verrais bien en train d'utiliser l'iPad comme mon Stream Deck, puisque l'application elle existe, mais ce coup-ci, juste en la codant, on aurait le même niveau, puisqu'on aurait un iPad, on aurait les icônes, on aurait tout. Ça pourrait être pas mal et ça ferait donc, contrairement à Stream Deck qui coûte 4 ou 5 euros par mois, on aurait une application. Il suffit d'acheter Pythonista pour 11 euros et c'est une fois et c'est fini. Et on aurait un, 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 beau, un beau jouet. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Je vais donc pas aller dehors pour manger, c'est clair. Et le picot RGB pour la boîte à son camelotte, mais bien sûr, je ne l'oublie pas. Mais on peut faire la boîte à son... bref. J'y reviendrai. J'ai commencé quelque chose aussi. A euh, bientôt. J'espère que vous allez passer une bonne journée. Et puis on se revoit, ben sauf surprise on se revoit lundi sauf si je décide de faire un petit stream à l'arrache je pense que ce sera du jeu ou du live coding mais je parlerai pas beaucoup ce sera pour vous montrer ce que je fais merci à vous à bientôt si vous voyez cette émission sur youtube inscrivez-vous et mettez les commentaires que je sache si je suis dans la bonne direction ciao